Kefi ya nila nyo muzulu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons commencer notre cérémonie baptismale. Ainsi, nous appelons le révérend pasteur Marcel Vatoussidi, révérend Benjamin Zamba, révérend Narcisse Lunzitissa, révérend Charles Wankana, révérend Dedou Kitusweka, révérend Étienne Kazi, révérende Kalamvuila, révérende Yaboua Elodie, révérend Arsène Mayunga, révérend Sylvain Kiesse, révérende Julienne Mawawa, révérende Ditele, révérend Finda Mangoïssa, révérend Fueto, de bien pouvoir s'élever pour que nous puissions nous préparer. Et en même temps, nous demandons à tous les diacres et diaconesses qui ont fait la veillée spirituelle de s'élever en même temps.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons commencer notre cérémonie de baptême. Les pasteurs, veuillez vous asseoir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avant de commencer notre cérémonie baptismale, nous informons ceux qui sont venus partager ce moment événementiel pour la première fois avec nous que cette cérémonie comprend trois parties. Nous allons procéder d'abord à la réintégration de repentis, qui sont des chrétiens kimbanguistes qui, au cours de leur quête chrétienté, ont trébuché dans le péché et ils sont revenus vers le Seigneur. Deuxièmement, nous allons accueillir les reconvertis, c'est-à-dire ceux qui sont venus d'autres églises chrétiennes. Et nous en donnerons des détails tout à l'heure. Et troisièmement, nous allons procéder au baptême des catéchumènes, mais aussi de ceux qui sont venus d'autres églises dont le baptême n'est pas reconnu par l'église kimbanguiste. À nous tous ici présents, nous demandons une conduite exemplaire durant toute la cérémonie. Nous sommes devant Dieu, donc devant la Sainte Trinité. Et nous voulons aussi vous informer qu'au sein de l'église kimbanguiste, nous avons quatre sacrements. Il y a d'abord le baptême auquel nous allons tous assister. Il y a la Sainte Cène, le mariage et l'ordination. Comme nous le savons tous, le baptême a été institué par Jésus-Christ lui-même. Il est à l'œuvre par la puissance du Saint-Esprit. Donc, le sacrement est un serment. Ceci étant dit, nous allons commencer notre cérémonie baptismale par la prière et après nous ferons la lecture des textes bibliques relatifs au sacrement de ce jour. Je vous invite à la prière. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu, Père Saint-Esprit, nous te rendons grâce et honneur pour ces temps bénis que tu nous accordes pour accomplir la promesse faite par Jésus-Christ après sa résurrection auprès de ses apôtres en leur disant « Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est ce que nous allons faire aujourd'hui en administrant ces sacrements à tes enfants aujourd'hui. Viens, Papa, manifester ta puissance sanctifiante aux trois noms, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Comme nous l'avions dit, nous allons commencer par la lecture de textes bibliques. Nous lirons d'abord dans Romains 6, de 1 à 14, nous ferons la lecture des 10 commandements et nous lirons aussi les deux grands commandements qui résument les 10 commandements, c'est-à-dire donnés par Jésus-Christ. Et après, nous lirons les 12 préceptes de l'Église. Nous allons commencer par la lecture biblique dans Romains 6, de 1 à 14. En voici la lecture au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Mais juste pour information, nous devons savoir que nous avons les préceptes de l'Église, nous avons les interdits de l'Église et nous avons aussi les obligations. Nous allons lire les interdits de l'Église, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ne jamais être bigame ou polygame.
ne jamais danser, fumer et se droguer, s'abstenir de consommer toute boisson alcoolisée, ne jamais consommer la viande de porc et de chimpanzé, ne jamais se laver ni dormir nu, ne jamais prendre de talismans et de la magie, s'abstenir de la sorcellerie et de la passion, ne jamais consulter de féticheurs, devins ou astrologues, ne jamais adhérer à la franc-maçonnerie, à la Rose-Croix ou à des organisations occultes ou spirituelles païennes, ne jamais porter les deuils à l'exception de ceux décrétés par le pouvoir public, s'abstenir de toute activité lucrative le dimanche, s'abstenir du recours à la violence dans le règlement de litiges. Maintenant, nous allons passer à la première partie qui est la réintégration de sous-pénitents que nous appelons communément Saint-Élamant. Ce sont des chrétiens qui avaient commis des péchés et qui avaient été mis sous pénitence par l'Église. Ils ont eu le courage de se repentir, car se repentir signifie non seulement abandonner les péchés, mais également s'engager à obéir au commandement de Dieu. Je vais demander à papa inspecteur d'appeler les sous-pénitents ou les Saint-Élamants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, par le sous-pénitent, paroisse de Nantes, papa Tamble Bellino Vera. Paroisse de Montreuil, maman Baké di Massamba Nicole. Paroisse de Rennes, papa Mutuyaku Mbuta John. Maman Mundele Ndombasi. Maman Mazuka Patience. Paroisse de Saint-Denis. Papa Nzuzi Maounou. Papa Nzuzi Maounou. Papa Kabamba. Papa Balukidi Manga Ngila Johnson. Papa Basikila Nzuzi Victor. Papa Kilemba Jansi. Papa Kamatelako Lambert. Papa Kamatelako. Maman Mayulu Makwiza Maliclaire. Papa Makimwina Tuindula Alain. Papa Kuka Olivier. Papa Kuka. Papa Ngunza Miguel. Papa Ngunza. La paroisse de Saint-Ouen. La paroisse de Saint-Ouen. Papa Landou Votulunga Albert Abel.
Papa Landou Abel, Abel. Papa Landou. Maman Sambi Tracy. Maman Foulou Vukamari. Maman Kianfou. Papa Silou Terence. Papa Mukaya Andi. Papa Nzaki Diteo. Papa Kupesa Masala. Papa Mukaya Paul. Maman Dorcas Osondi. Maman Marie-Colette Iefa. Le pasteur, levez-vous. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. » Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te remercions, Dieu Tout-Puissant, de ce que tu ne souhaites pas que l'homme meure dans le péché et que tu l'appelles à la repentance, comme tu le précises dans le Proverbe 28 au verset 13. C'est lui qui cache ses péchés et ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue, les délaisse, obtient miséricorde. Détourne chacun de tes fils de la voie du tentateur. Rétablis en eux l'harmonie brisée par le péché. Illumine-les de ta grâce sanctifiante et de ton incommensurable miséricorde. Fais de chacun de tes enfants au Seigneur des vases d'honneur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, vous êtes kimbanguistes. Vous connaissez les commandements de Dieu, les préceptes, les interdits et les obligations kimbanguistes. La vie que vous avez vécue loin de la communion de Dieu était synonyme de mort spirituelle. Que votre retour aujourd'hui à Dieu vous apporte la vraie vie.
Ainsi, l'Église tout entière se réjouit de votre réintégration au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Pasteur, asseyez-vous. Nous allons maintenant procéder à l'accueil de reconvertis que nous appelons communément ces coquilles. Ce sont des chrétiens en provenance d'autres confessions chrétiennes, catholiques, protestantes, orthodoxes, armées du salut, qui aujourd'hui nous rejoignent au sein de l'Église kimbanguiste. L'Église reconnaît leur baptême et ne les baptise pas, mais les accueille. Ainsi, je vais demander au révérend inspecteur de lire les noms de reconvertis. Pour la paroisse de Saint-Denis, Papa Diwabaka Tangu Alphonse. Maman Batatu Sylvie. Maman Bouanga Laurence. Maman Lokata Mayinga.
Maman Mahinga. Et pour la paroisse de Saint-Ouen, Papa Kabamba André Germain. C'est bon. Les pasteurs, levez-vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons lire dans les Actes des Apôtres 19, de 3 à 7. Ayant rencontré quelques disciples, Paul leur dit : Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Ils lui répondirent : Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit : De quel baptême avez-vous été baptisés ? Et ils répondirent : Du baptême de Jean. Et Paul dit : Jean a baptisé du baptême de la repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et ayant entendu ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et Paul, leur ayant imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Prions. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu as permis qu'aujourd'hui tes enfants retrouvent le chemin de ta présence. Génère en eux, Père Saint-Esprit, un profond changement dans leur cheminement. Fais qu'en ces jours, ta lumière brille dans leur vie, afin qu'ils soient remplis de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Qu'ils marchent d'une manière digne de toi et qu'ils soient persévérants et patients dans la réalisation de leurs œuvres. Que leur oui soit oui et que leur non soit non, comme cela est écrit dans Proverbes 20, verset 25. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, sachez que dès aujourd'hui, vous venez de recevoir le Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi, recevons nos frères et sœurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Pasteur, asseyez-vous.
Nous allons passer à la troisième partie, qui est le baptême proprement dit de catéchumènes, c'est-à-dire des personnes qui n'ont jamais été chrétiens, qui les seront pour la première fois. À eux se joignent aussi ceux qui viennent d'autres églises, comme des églises de réveil, ceux qui viennent de la communauté musulmane et autres. Ainsi, ceux-là seront baptisés pour devenir chrétiens kimbanguistes. Ainsi, je vais demander au révérend inspecteur d'appeler les catéchumènes. Pour les catéchumènes, paroisse de Nantes, Maman Paca. Paroisse de Lille, Papa Mondo Mavinga. Papa Kapinga. Paroisse de Lyon, Maman Toumba. Paroisse de Bordeaux, Maman Ekanza Mabota. Maman Kika Daniela. Maman Zola Malutonda. Maman Mambou. Paroisse des Reines. Maman Matondo Elisabeth. Papa Matondo Francisco. Papa Kembi Calvin. Maman Munganga Patricia. Paroisse de Saint-Denis. Maman Santri Janice. Maman Massamba. Maman Massamba Audrey. Il y a deux Massamba. Maman Mpungi Gracia. Maman Tsangu Maman Tsangu Victoria. Maman Mwanza Sephora. Maman Banungouswa Elisabeth. Maman Odimba. Maman Bikuki Waiza. Maman Luzolo Stéphanie. Papa Zizou Mwanza. Papa Timba Tusakivana. Papa Wavewa
Kyo Charles Henri. Papa Mouzou. Papa Diloubendi. Papa Touzola. Papa Timba Matouzei André. Papa Lukoki. Les pasteurs, veuillez vous lever. Jésus dit à ses apôtres et à nous aujourd'hui qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui, car comme à Adam, toute l'humanité a péché, en lui elle retrouve la vie éternelle. Que l'on ait souvenance de ce que disait Jean-Baptiste sur le baptême du Saint-Esprit. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. L'Église de Jésus-Christ vous soumet au baptême conformément à un commandement qu'elle a reçu du Messie. Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Quiconque croit en Christ est baptisé et met en pratique ses commandements à les saluer. Celui qui ne croit pas en lui se prive de salut. Répentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et recevez le don du Saint-Esprit. Lève-toi donc et sois baptisé pour la rémission de tes péchés par Christ et glorifie son nom. Prions. Éternel, mon âme est remplie de crainte et d'angoisse au moment où tu m'utilises pour baptiser mes semblables. Car bien que je sois ton serviteur, je suis moi-même aussi pécheur et je me sens indigne de procéder au saint sacrement du baptême. Je me soumets toutefois à ton ordre qui exige que l'on fasse de toutes les nations tes disciples. Je te prie, Seigneur, de faire descendre ton Saint-Esprit sur mes amis qui reçoivent le baptême afin que leurs péchés soient pardonnés. Fortifie-les pour qu'ils soient à même de vaincre l'ennemi et qu'ils parviennent à mettre en pratique tes commandements à tout instant et qu'ils ne succombent point aux sollicitations de Satan. Marque-les de ton saint sceau, afin que Satan soit effrayé de les tenter, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amis, pour le salut de ton âme en Jésus-Christ, je te reçois dans son assemblée, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Thank you.
pasteur, asseyez-vous. Papa inspecteur va continuer la lecture des noms de catéchumènes. Et toujours paroisse de Saint-Denis. Papa Mavaka, la Mouévaudier. Merci. Papa Mavaka, la Mouévaudier. Papa Mavaka, la Exaucé. Papa Zola. Papa Manzambi Moïse. Maman Dongala. Papa Dialoumengene Ntsingi. Papa Dialoumengene Ntsingi. Paroisse de Saint-Ouen. Maman Mukatu Menga. Papa Lufuma Mboka. Papa Lufuma. Maman Dimbu Eli. Maman Voa Mwilu. Papa Kiwa Sisilwa Kundisa. Papa Bakundanga Yamba Jonathan. Maman Bakundanga Judith. Maman Bakundanga. Maman. Maman Bakundanga. Papa Mikaka Henri. Maman Poyabe Darlene. Maman Darlene. Papa Lufuma Darren. Maman Judith, maman Bakundanga Judith. Maman Dongala Chimène. Saint-Denis, maman Dongala. Paroisse de Colmar, maman Nyanga Makengo, papa Bilungi Bikanda, paroisse de Saint-Denis. Papa Mpungi. Papa Georgie Mavambou. C'est bon. C'est bon. Ok.
Les pasteurs, veuillez vous lever. Jésus dit à ses apôtres et à nous aujourd'hui qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui, car comme à Adam toute l'humanité a péché, en lui elle retrouve la vie éternelle. Que l'on ait souvenance de ce que disait Jean-Baptiste sur le baptême du Saint-Esprit. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. L'Église de Jésus-Christ vous soumet au baptême, conformément à un commandement qu'elle a reçu du Messie. Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Quiconque croit en Christ est baptisé et met en pratique ses commandements à les saluer. Celui qui ne croit pas en lui se prive de salut. Repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et recevez le don du Saint-Esprit. Lève-toi donc et sois baptisé pour la rémission de tes péchés, car Christ et glorifie son nom. Prions. Éternel, mon âme est remplie de crainte et d'angoisse au moment où tu m'utilises pour baptiser mes semblables, car bien que je sois ton serviteur, je suis moi aussi pécheur. Et je me sens indigne de procéder au Saint-Sacrement du baptême. Je me soumets toutefois à ton ordre qui exige que l'on fasse de toutes les nations tes disciples. Je te prie, Seigneur, de faire descendre ton Saint-Esprit sur mes amis qui reçoivent les baptêmes afin que leurs péchés soient pardonnés. Fortifie-les pour qu'ils soient à même de vaincre l'ennemi et qu'ils parvienne à mettre en pratique tes commandements à tout instant et qu'ils ne succombent point aux sollicitations de Satan. Marque-les de ton saint sceau afin que Satan soit effrayé de les tenter. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ami, pour le salut de ton âme en Jésus-Christ, je te reçois dans son assemblée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
pasteur, veuillez vous asseoir. Avant de passer à la prière finale, le révérend inspecteur nous donnera le récapitulatif de fidèles accueillis aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, pour toute la France, 26 Siatelamans, les repentis, 5 Sekoki, les reconvertis, 53 catéchumènes. Au total, ça fait 84 fidèles. Merci. Nous allons faire la prière finale. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur Jésus, en obéissance à ton commandement, ton Église vient de procéder à la réintégration, à l'accueil et au baptême de ceux qui ont accepté aujourd'hui de se joindre à nous et de porter chacun sa croix vers toi, afin que tu te souviennes d'eux et de nous dans ton céleste royaume de justice et de gloire. Protège-les de tout péché et affermis-les constamment dans leur foi en toi. Sois leur guide et leur protecteur de tous les instants et manifeste ainsi qu'à nous ton éternel amour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père et la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous aujourd'hui et à jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Faki pour la sortie des pasteurs.